Bonjour à toutes et à tous, c'est Skanky. Et Nino. Petite mise en bouche avec la nouvelle série 151. Alors, mise en bouche pour nous, hein, parce que la série est sortie aujourd'hui. Pour vous, bien, peut-être que vous avez déjà vu des vidéos, puisque certains magasins, malheureusement, les ont sortis avant la date. Et puis, beaucoup de youtubeurs, et évidemment, pour faire plein de vues, un max de vues, ont déjà ouvert aussi cette série. Ce qui. Et un peu relou quand même, je dois bien l'avouer, parce que c'est chiant, quoi. C'est chiant qu'on puisse pas tous ouvrir en même temps, mais bon, c'est comme ça, c'est Pokémon, c'est ainsi. Mais bon, on va pas se plaindre, nous on est déjà contents d'avoir eu ça, et je voudrais remercier, on n'est pas sponsorisé, bien évidemment, vu le nombre de vues qu'on fait, c'est pas le cas, mais remercier King Jouet, parce que... ils sont cool avec, avec nous, et c'est grâce à eux si on a pu avoir ces coffrets. Voilà, quoi, ces coffrets. Ce coffret, en fait, on a une ETB aussi qui sera à ouvrir dans la prochaine vidéo. Et donc, on découvre ensemble donc, les 4 boosters de la nouvelle série. Donc, les 151 comme les 151 starters de la première édition. Et puis, un classeur. Bon, moi je suis pas fan de ces classeurs. Nous on a des classeurs zippés. Je préfère que ce soit avec une fermeture éclair. Mais bon, il y a 360 vues, donc ce qui est parfait pour cette série. Donc je pense, quoi qu'il en soit, qu'on gardera ce classeur. On l'a, autant le garder. Et donc 4 boosters, donc petite vidéo, hein. Je vous l'ai dit, petite mise en bouche. Et on va découvrir en même temps que vous cette série, parce que très clairement, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Quoi, on ne sait pas trop. Moi, j'ai vu quelques petits trucs, hein, notamment les évolutions des 3 starters avec Salamèche, Herbizarre et Carapuce. Voilà. Et en plus, on a un super tapis qui correspond très bien à cette série. T'en choisis deux. Ok. Qui commence Toi. C'est moi. Bon, bah... Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des God Packs. Hein. Donc, les God Packs, c'est quoi? Eh bien, ce sont des packs avec 3 AR dedans. Et les 3 AR sont à l'effigie des 3 starters avec leurs évolutions. Donc, comme je l'ai dit avant, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Ah, j'ai dit Herbizarre tout à l'heure. Donc, Bulbizarre et Salamèche. Et aussi, on a des énergies à la fin c'est quoi, qui brillent. C'est quoi les évolutions? Non, les t'as dit avec des cartes tu AR. Oui, c'est de ce sont des ultra rares quoi. Qu'on nous donne? Non, c'est mais normalement dedans t'as deux si t'as un booster avec rien dedans, t'as au moins 2 reverse et une holographique. OK. Et donc à la place de ces 2 reverse et une holographique, t'as 3 ultra avec les 3 évolutions. Donc tu as Salamèche, Reptincelle, Drac au feu, ou Carapuce, Carabaf et Tortank, et ou Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Voilà. C'est ce qu'ils appellent les God Packs. Parce que, évidemment, c'est très rare d'avoir autant d'AR dans ces boosters. Donc, on découvre en même temps goût, donc Rhinophéros, Noix de Coco. Et on arrive déjà à la reverse, donc on n'aura pas 2 God Packs. Donc, le Nidorino. En reverse, le Krabi. Ah, il y a plusieurs reverses. Bah, comme dans les dernières séries, baby. Ah, oui. Il y a 2 reverses et une holo. Et on démarre avec un Ossatueur. Voilà. Et oui, j'ai oublié donc l'énergie qui peut briller. Aussi, bon, pas un 2, 3, 4. Non, un booster pépère. Tranquille, quoi. Tranquille. Vraiment tranquille celui-ci. Et moi je préfère ne rien avoir au début et après avoir. Allez, enchaîne. Tiens, un petit Salamèche. Salamèche, Piafarbeck, Rhinocorne, Magikarp, Crustaberry, Pince. Attends, découvre les cartes en même temps. Ah, ça c'est de la Team Rocket avec le R. Krabos. Ah, Persian. Persian. Joli, hein. Miaouss. Ah bah. et Monsieur Mime. Et... Non.
Elle brille pas. C'est une entrée en matière toute douce. On est déjà à l'avant-avant-dernier booster. Bah oui. Hein. Mais dans ce coffret, il n'y a que 4 boosters. Alors, Exelang. Coconfort. Petit Art. Ponita. Ammonita. Tauros. Ah. Tauros. Mon signe astrologique, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte. Kadabra. Alors, Sabelette en reverse. Trop mignon. Mmh. Ah bah voilà. Ça y est. C'est quoi Ouf. Pour Arte. J'ai pas fait attention. C'est une étoile dorée. Rare. Très rare, hyper rare. Ouh, le beau Draco. Alors, c'est bizarre parce qu'on a du mal à voir le Draco, là, bleu sur bleu comme ça. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Moi, je le vois très très bien. Non, on le voit, mais ça manque un peu de... Comment dire, d'effet, de surmonter. Non, mais ils auraient pu le mettre en plus en avant, ou en tout cas avec plus de contraste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils auraient pu le contraster un peu plus, mais bon. Après, jolie carte. Vous affiche un petit peu. Et Articodon. Ah bah oui, les trois oiseaux légendaires. Donc il y a les trois oiseaux légendaires aussi dedans. Articodon, Sulfura et Elector. Et leur maître Oho qui les a créés pour sauver le monde. Mmh. Dans une des toutes premières dessinées. Voilà, vous avez eu un cours sur Pokémon de la part de Ninou. C'était très rapide quand même. Et dernier booster, pour se faire plaisir, c'est quoi? Le petit Pikachu? Ah bah oui. Pikachu! Canard Tichot, vieil ombre, ancien. Mmh. Ok. Ah, c'est pour évoluer un petit tas cool. Roucoups. Mmh. Air bizarre. Flagados. Machoper. Hippotrempe. Rhinophéros. Oh, électrode. Ah bah voilà, ça c'est une brillante. Voilà. Oui. T'as vu comment elles sont trop belles. Ah oui, oh, t'as vu quand on le met sur le côté. Là, il y a un spiruline. Ah, il y en a plusieurs. Ah ouais. Il y en a un là, je sais pas si vous le voyez. Ah oui, moi je le vois, le spiruline. Voilà, là on le voit parfaitement. Non, pas moi. Ah là, oui. Non, mais là je le mets à la lumière et il y en a un autre ici. Là. Ah oui. Ici, ah, c'est vraiment sympa. Alors, de face, franchement, on voit juste la brillance. Vous voyez, hein, pas grand-chose, mais en fait, quand on fait ça, là, c'est magnifique. On dirait l'univers. Oh, on voit bien ici. On se croirait un soir d'été dans les champs. Il ne manque plus que les comètes qui passent, les étoiles filantes. Pio. Bon, bref, allez. En tout cas, là, c'est joli, la bleu-bleu, là, comme ça. Non, bon, bah écoutez, petite ouverture très sympathique. Hein, avec la découverte de cette nouvelle série qui, a priori, est très hypée. Donc, on en ouvrira d'autres, hein, des items de cette série, parce que je dois en recevoir. Et puis, bah, on espère que les prochaines seront tout aussi bien, voire meilleures. Et bien, on vous dit à très bientôt. Bye.